Oui, go le boost. Venez, on le boost. Venez, on le boost comme des gros bâtards. Et puis, in-game, t'as évité que, bah, du coup, du spawn, tu puisses cut quelqu'un, en fait. Encore un battle pass bien claqué au sol. Ah ouais? Non. Alright. What the fuck? Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça change. Hein? Pourquoi pas? On va voir. Sur le shield de Fuse. Au cas où on, bah, on le prendrait pas du coup. Bon, c'est joli. Dommage que ce soit sur Fuse du coup, quoi. Mais ouais, j'avoue, c'est le truc Avengers, quoi. Mais c'est stylé. C'est stylé. Mais dommage que ce soit sur Fuse, quoi. Mais après, Fuse a été up. Peut-être qu'on reverra du shield. Hein. De temps en temps, c'est possible. Hein. Ok. Ok. Bon, à part la tête, carrément infâme, mais elle est trop drôle. Du coup, c'est joli ça. Bon, c'est joli. Avec son nom marqué sur le côté. Ok, très bien. D'accord, donc du coup, ça. Uniforme. Ah, c'est l'uniforme. Eh, ça lui va bien. Franchement, avec sa petite tête là. Oh, il est trop beau. Regarde, regarde, regarde ce profil. Regarde ce profil. Regarde le beau gosse. Oh, regarde le vraiment, magnifique. J'aime bien. C'est-à-dire qu'on le voit pas en situation. Mais sachant que c'est déjà une arme qui dépassait. Sachant que de temps en temps, tu te mets dans des corners, hein, tu vois. L'arme doit faire combien, toi, à votre avis? 2 mètres? Elle doit faire ses 2 bons mètres, je pense. Hein. Appuyer sur X pour faire une élimination furtive. Non, mais sérieusement. Non, mais je veux dire, c'est classe. Mais pourquoi avoir mis la machette comme une baïonnette? Pourquoi pas l'avoir mis là? Ici, en fait. Attaché là. Pour qu'elle dépasse juste ici, en fait. Tu vois? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non? Maintenant, oui. Ah, au moins, ça aurait été classe. Ça venait juste là. Et puis, in-game, ça évitait que, bah, du coup, du spawn, tu puisses cut quelqu'un, en fait. Ça permet de faire un spawn kill sans bouger. Ouais, c'est ça. Nom de Dieu. Donc, si tu rajoutes le silencieux ici, il se met là, ça vient là, quoi. Sachant que l'arme doit faire ça, tu rajoutes la machette et la crosse. Ok, on l'a, notre canne à pêche. On l'a, notre canne à pêche. On va l'essayer, celle-là. Il me la faut, celle-là. Je veux voir la taille du truc. Ça doit être ridicule. Nope. Yeah, piano is totally clear. They are not doing anything. They are not doing shit. There is one guy, P1, C1, B1, right on site, maestro. Nice. One guy on ping, 2 there, cocktail. Maybe one fridge. And I lost my bro. Oh sh! Here we go again. Friendly operator remaining. Right in freezer, rotating around to the other door. Four last operator standing. Ah! Four eliminated. Nice ball, guys. Salut Six, tu n'as pas mal aux yeux ou des problèmes de vue à force de jouer sur un écran? Vraie question, c'est pas un jugement. Ça fait combien de temps que j'ai pas joué à Rainbow Six? 2 semaines? 3 semaines? Combien de fois dans ta vie tu m'as vu jouer sur Twitch? 2 heures? 3 heures? Grand maximum? Depuis 2015? Alors les 2 kills, j'avais mal aux yeux ou pas? Non? Ils avaient mal à la tête eux? Ouais? Ça répond à ta question? Ouais. Mon gars, à 55 ans, je serais toujours un monstre. Regardez-moi ce skin avec ce truc. Si ça c'est pas beau, attends, je vais mettre une lumière. Regardez-moi ça. Est-ce que ça c'est pas magnifique? Honnêtement. Oh my god! Est-ce que la couleur est pas... Amazing. Ah, je suis nul. Amazing. Come on, I'm going first, you follow me, your revenge. Oh non! Il a pris une énorme sauce là derrière. Parce qu'il est mort instant. Donc il a pris une espèce de collade dégueulasse à mon avis. Le sledge, je dois être tout content. Il a fait les 2 kills de sa life. Encore.
Merci Lunatix Fatal pour les 4 mois de scolarité. À mon poulet. Oui, oui, oui. Salut vieux poulet, bonne game et vive les vieux sur console. Les vieux sur console, c'est ceux qui sont gâtés sur console au début. Après, ils sont passés sur un PC. Et après, ils ont fait... Ils se sont engueulés avec leur femme. Ok, gros cliché. Ils se sont engueulés avec leur femme qui leur a dit... Oh, je suis désolé, on va pas... On a deux enfants, ok? Donc, on va le mettre où, là, contre ton gros truc, là? Ça s'appelle une unité centrale. Ouais, on va le mettre où, ok? Ça fait dégueulasse dans le salon quand on invite du monde, en plus. Eh non, mais je suis désolé, on peut pas payer un T3 pour monsieur. Monsieur, pour qu'il ait sa gaming room, ok? Ok, donc il y a une pièce pour insérer le nom de la jeune demoiselle. Il y a une pièce pour notre autre enfant. Ok, c'est important. Ok, on va pas les mettre sur des lits superposés. Ok, ils entrent tous les deux au collège et elle a le droit. Elle a le droit d'avoir aussi sa propre chambre. Ok, donc tu vas pas chier. Tu t'achètes une console comme tout le monde et tu la mettras sur la télé. Et voilà. Et bah c'est pas grave. 664, il a dit qu'il fallait clavier souris. Ok, c'est ça ou je te quitte. Ok. Ça marche toujours ça ou pas, hein? Faisons des tests. Surprise, motherfucker! The diffuser is no longer in your possession. One friendly operator remaining. Ah bah non, ça marche plus! Non mais il y avait un truc où ça faisait plus de son en fait. Vous l'aviez pas vu ça? Ce truc là? Un truc qui permettait de... Il y avait... Ça faisait un silent... une silent explosion, tu sais. C'était cool ça. Merci le Pakovic pour les 8 mois de frais de scolarité. T'es un monstre poulet. Si tu as l'occasion de passer par Moulin dans le 03, je t'offre une pizza dans mon établissement. Ok, vas-y, t'habites où? C'est où le 03? C'est quoi le nom de ton établissement? Moulin dans le 03, pizza. On va déjà taper, on va voir si t'as un bon SEO. Est-ce que c'est Pizza Italia? Pizzeria Valentino? Pizza Plaza? C'est laquelle? On a le droit de mettre des grosses reviews. Si on a le droit de booster les gens, il va passer. On va tous aller mettre des reviews. On va tous mettre 5 étoiles. On va dire, oh, c'est la meilleure pizza alors qu'on n'y a jamais touché. Ah si, bah on va pas faire les fils de pute quand même, non? Attends, tu payes des droits de scolarité, faut bien aider les étudiants, non? Le Pakovic, réponds-nous. Il est où? Il a répondu ou pas? Le kiosque à pizza d'Averne. Ah ouais, en revanche, ton nom pue la merde quand même, mais bon. Je vais peut-être pas te mettre 5 étoiles. Non, je rigole. Oula. Le kiosque à pizza, il a 29 étoiles. Venez, il est à 4,7. On a le droit de faire ça ou quoi? Oh, ça se trouve, je vais me faire ban de Google. Vous imaginez? Le kiosque à pizza. Ok, on met tous 5 étoiles. Oui, go le boost. Venez, on le boost. Venez, on le boost comme des gros bâtards. Je vais te noter. Je vais aller mettre. Donc attendez, il a 29 avis. Attends, donc voilà. C'est là, c'est ça. Donc mettez un avis sur Google. Ah, vas-y, vas-y. 33 avis. Ah, je vous aime. 4,7. Il a gagné 0,7. Ok, c'est un étudiant, on l'aime les amis. Eh, vous dites, vous faites pas les bâtards en revanche. Et vous le dites pas, personne ne le dit. On est pas mal, je pense. Ok, peut mieux faire. Vas-y, on lui répond à lui là. Arnaud BDV là, signalé. Problème de jeu de... Cet avis ne correspond pas à ce lieu. Il a été signalé. Il a dû se gourer de pizza. On n'a pas dû manger dans la même à mon avis. On est à 35 avis, attendez je fais un F5. Hop là, 57 avis, 4,8. Voilà, allez, bonne journée. C'est meilleur. Ne le dites à personne. Oh putain la vache. Une jouissance buccale. T'es un malade, voilà c'est bon. C'est bon, t'étais à 4,6, on t'a mis 4,008. L'arnaque du siècle. Et en revanche, t'es sympa, poulet. Tu fais des pizzas de ouf, ok? Parce que derrière, moi, je veux pas avoir l'air d'un con, ok? Oh, les meilleurs. Oh, les meilleurs. Oh, putain, on est les meilleurs, sérieusement. Oh, celle-là, c'est la meilleure. Oh.